Monsieur, regardez la caméra. Monsieur, regardez la caméra. Est-ce que vous passez un bon moment? Oui, je passe un très bon moment, monsieur. Attendez, j'ai pris un screen, c'était trop beau. Non. Eh, c'est quoi le skin là? Il y a un job perso, je peux pas le prendre. Yoda. Ouais, le job il est bugué. Et il avait l'air marrant le job. Attendez, mais c'est quoi en fait? Ça ressemble à quoi? C'est le ski. Oh là là, c'est la tête de Yoda. Et sur le. Sinon, attends, si sur le corps de Hulk. C'est mettre le skin, tu sais, dans la commande là que j'avais passé. Je te la repasse au pire sur Steam. Vas-y. Essaye de mettre le skin pour que tu puisses l'avoir. Non, mais c'était juste pour moi. Mais en fait, je viens de capter ce que c'est comme skin. C'est Hulk avec la tête de Yoda, quoi. Ça c'est cool. Mais pousse-toi de là, espèce de gros. On se calme ici, on se calme. Oh putain. Alors, oh putain, alors lui je le tue. Attendez, mon PC, j'ai chétané contre mon PC. Mais lui, mais wesh, il a un sabre, lui c'est quoi ça? Wesh, les gens ils se baladent avec des sabres, gros. Knock. Wesh. Normalement c'est bon, regarde tes messages, généralement tu peux. Bah je l'ai fait, c'est bon. Et je suis censé faire quoi? Voilà, c'est bon. Bah c'est attachant. J'ai ton skin, mais t'es en troisième personne. Wesh, c'est quoi ce que j'ai entendu là? Wesh! Il y a un gars, il a. Ouais, on va pas dire ce qu'il a dit. Alors là, non mais là, non mais là, non mais regarde, non mais. Non mais là, limite, ça fait. Ça fout les boules, gros. Non mais. Eh, ça fait peur! J'ai rêvé où j'ai entendu un nigga. Mais c'est ça, j'ai entendu ça aussi! Il y a eu. Mais ça venait. C'était pas quelqu'un qui a parlé? C'était dans le jeu, on aurait dit. Un PNJ qui dit ça. C'est dégueulasse. Et j'ai la dalle, donc on va manger un Kinder du gros œuf de Pâques que j'ai acheté. Putain, grosse tête. Putain, mais là, on peut dire que je ressemble à rien. Alors là, à un moment donné... On fait quoi, nous? On fait... On va voir le maire. On va lui proposer, on va lui demander d'être son garde du corps. Mais un très très bon garde du corps, parce qu'on est quelqu'un de vraiment très très gentil. On va choper une... Oh, j'ai envie de choper l'arme que j'avais l'autre fois, là. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire. Et voilà. Et voilà, gros. Excusez-moi, monsieur le maire. Pas de soucis. Je peux être votre garde du corps, monsieur? Oui, bien sûr, on fait des gardes du corps. En tant que garde du corps, est-ce que je peux tuer cette personne qui vous a manqué de respect? Oui, bien sûr. Merci, non, merci. Ah oui, bien sûr. Monsieur le maire, vous êtes vraiment quelqu'un de très gentil. Hein. Je suis une dictature. Je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Mais je vais rien faire. On est en dictature. Ça, j'aime bien ça. Ah bah oui, on est en dictature. Hein. Vous avez fait vos lois? Faut voir si c'est bien lancé. Non, j'ai pas encore. Qu'est-ce que vous allez faire quoi là, monsieur le maire? Bonjour, monsieur le maire. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Mais vous êtes. Oh là là, il est bourré. Il est bourré. Vous êtes bourré, monsieur? Non, faut que je fasse mes lois. Et bah alors, pourquoi vous êtes dans l'ascenseur? Mais parce que je sais pas, moi. Il sait même pas ce qu'il fait. Je suis endormi dans l'ascenseur. C'est grave. Je faisais quelque chose et puis hey, après... Eh, c'est qui met du Joule? Ah, c'est pas mort. Oh putain, attendez, juste vas-y, sortez, monsieur le maire, allez-y. Je vais m'occuper du mec qui a mis du Joule en bas. Ah, vous êtes bloqué? Voilà. Ah, merci. Non, je reviens, monsieur le maire. Y'a un mec là en bas, il a mis du Joule. Moi je vous dis. Ah alors, là. Bonjour, je cherche la personne qui aurait mis du Joule. Position carton. Il est là le proprio? Ouais, il est là. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, votre magasin il est vraiment machalin. Hein. Bon, monsieur. Ouais, c'est pourquoi? Il faut payer la taxe de commerce ou d'habitation, tout, enfin voilà. Je suis le garde du maire. T'es malade, toi je paye au maire, pas toi. Ah ben j'ai le maire, en fait devenir le maire. J'ai des papiers. C'est 5 000 euros, hein. Si je fais venir le maire, ça sera 10 000. 5 000 euros. C'est 5 000 euros? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ok, pas possible. Si je fais venir le maire, et mec. Tu sais que je paye mon loyer. Si tu me fais. J'ai pas 5 000 euros sur moi, j'en ai arrivé. Vous avez combien sur vous? Faites-moi une petite fleur, j'ai 500 sur moi. 400, ça va, entre nous. Tu referas du lol. Ah, donc c'est une arnaque, parce que passer de 5000 à 400, il y a un petit problème, non? Monsieur, vous savez que déjà le port de casquette aussi moche comme ça, c'est interdit. Hein. Ah ouais, donc vous changez de sujet. Donc vous voulez arnaquer. Donc vous, ça fera aussi 1000 euros d'amende. Hein. Donc s'il vous plaît, vous allez vous dépêcher d'allonger l'argent. Bien, le gars, il gratte de l'argent partout. Mesdames et messieurs, il faut payer pour le maire.
Ah, ok, d'accord, je donne 400, venez ici de mon côté là. Pardon, monsieur, y'a quelqu'un qui a. J'ai pas envie de mourir. Mais personne va mourir, tout le monde paye, tout le monde est gentil. Merci. Et vous, c'est 1000 euros. Vous, c'est 1000 euros. Hein. Bah, j'ai pas 1000 euros. Moi, je vais acheter un monsieur. Si t'es pour le maire, il faut acheter une licence. Pour avoir une arme. Ah bah donnez-moi 300, ça ira. Et elle est mise à 1500 euros. A chaque fois je leur laisse 100 boules. Eh, hey, dites-vous que c'est parce que vous êtes un honnête citoyen. C'est pour le bien de la ville. Passez tous une très bonne journée. Je reviendrai dans un mois. Pourquoi les gens ils disent toujours c'est compliqué de se faire de l'argent? C'est simple. Pas le matin. Eh, hey, beau gosse. Monsieur. Ça va, beau gosse? Tu cherches pas un chien de compagnie? Non. 500 euros. 500 hey. Euros, je te ramène où tu veux. Et t'as cru que t'étais une pute ou comment ça se passe? Bah écoute, j'ai les poils lisses. J'ai les poils lisses, je te ramène où tu veux. J'ai ma petite BM, je te ramène où tu veux. Ah, t'as ta petite BM et tout. T'as j'ai envie de te mettre une balle, c'est grave. Mais non, mais pas de balle. Viens le chien. Eh, wow. Hey, flippe pas, monsieur le maire. Hein. Tu veux un chien? Oui. Mais... il a vu le chien, il a changé au on restant. On a un gros projet pour le chien. Ah, alors, il a des gros projets. Bah, mais, hein il, on va lui. De, vous voulez l'appeler comment le du chien? Du Saint-Chien, lui. Du, par exemple. Saint-Chien. Chien moi, j'aurais du proposé Saint-Chien. Qu'on l'appelle gros fils de pute, comme ça. Ok, alors viens, gros fils de pute. Non, ça. Et j'ai les poils. Il y a un gros fils de pute. J'ai les poils. Et genre, c'est un animal avec toi. Ah, tu restes dans la salle de zoo. Mais t'aurais pu mettre une cage 4 étoiles, s'il te plaît, hein. T'as cru que je vais te dormir là-dedans, quoi? Eh, hey, les gens. En tout cas, on passe vraiment un très bon moment dans la ville de Kindergang. Eh, hey, par contre, on a oublié de vous dire, hein. Mais d'ici 5 minutes, on va revenir. On veut plus que un être vivant dans cette cage. Donc, battez-vous jusqu'à la mort. Qui va être vivant? Qui va être le chien du maire? Ou la grosse chienne du maire? C'est la terre. Je veux la terre. Allez, on se dépêche. Voilà. Bon, ben, monsieur le maire, c'est votre chien. Moi, j'exécute les ordres, monsieur le maire. Enfin, mon maître. Vous êtes mon maître. Appelle le maître. Il s'appelle fils de pute maintenant. Il s'appelle comment maintenant? Je m'appelle. Pardon, je m'appelle comment? Le chien l'a gagné. Le chien tueur maintenant. Oh, le nom tout pourri. Oh, le chien tueur, où il a dit, gros. Quelqu'un qui est là pour une licence. Ok. 3000 euros! Il y a quelqu'un qui est là parce pour qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est. On c'est paye double. Monsieur en, avec le chapeau. C'est qui, monsieur, avec le chapeau? Restez ici, monsieur. N'appuyez. Vous avez appuyé sur le bouton. Non, mais je voulais redescendre. Et bah, vous allez appuyer sur le bouton, on va remonter. Vous avez pas payé. Non, mais. Donc, le gros con. De toute façon, maintenant, à partir de maintenant, quand on insulte les gens, nous, on n'est pas méchants. Il faut dire des insultes bizarres, tu vois. Genre comme j'ai dit avant, tu dis face de barbelé ou tu dis... On est obligé de faire des choses. Espèce de chameau, tu vois. Ça, c'est des très bonnes insultes. Ou tu dis, je sais pas, moi. Hé, mec, rap... Je me souviens de ton visage, je vais te traquer jusqu'à la mort. J'espère que t'es prêt. Je suis ton âme. Je suis un poète disparu, je vais te tuer comme ça. Chante-moi une chanson. Attends, vas-y, je réfléchis. On est des contrôleurs. Non, pas celle-là, une autre. Je sais pas, moi. Chante-moi Hakuna Matata. Attends, faut que je réfléchisse, c'est quoi déjà? Oh. Non, mais monsieur, ayez pitié de moi. Il a dit c'est quoi? Bon, en tout cas, une très bonne journée à nouveau dans la ville de Kindergang. Hein. Très beau ciel bleu, comme d'habitude. Hein. Serveur, regardez, personne se frit. Eh, n'empêche, on a beau dire, ouais, ce serveur, c'est vrai. Est-ce que, bizarrement, moi, je vais sur d'autres serveurs, ça se frikille dans tous les sens. Hein. Moi, je vois des gens, là, tout se passe bien. Regardez, tout le monde travaille. Alors, lui, il se fait son petit... Là, c'est propre. Lui, regarde, il se fait son truc, c'est propre. Petite smart. Un mec qui traverse, c'est beau. C'est beau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci. Et monsieur. Non, regardez lui, sa boutique, elle est propre. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est pourquoi? Non, je venais juste filmer vos locaux. Très très propre. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Manque juste de rajouter quelques petits bouquins sur l'étagère parce qu'une étagère vide. Voilà, monsieur, on va pas se mentir.
dire. Ouais, je l'ai pas commandé encore les. Chante mon les... petit poney. Vous avez cru c'est la foire fouille ou comment que ça se passe? Ah, par contre là il y a un petit troller là. Hein. Ah, monsieur, c'est vous qui faites du bruit depuis tout à l'heure. Oui, monsieur, pourquoi? Ah, vous êtes marrant. Non, arrêtez, arrêtez. Et là... Mais là vous êtes où avec votre voiture? C'est quelque chose de normal ça, monsieur? Oh là, alors lui. Ok, Europa Park, Silverstar. Vous n'avez pas un peu d'argent, s'il vous plaît? Il est pas. Oh là là, oh, il y a un ange dans le ciel. Wesh, ça va bien, monsieur? Oh, oh là là, oh, oh, un prank. Monsieur, je vous ai prank. Monsieur, regardez la caméra. Ah, alors... Monsieur, regardez la caméra. Est-ce que vous passez un bon moment? Oui, je passe un très bon moment, monsieur. Attendez, j'ai pris un screen, c'était trop beau. Non, gros. Ça c'est une future miniature, ça. Voilà. Et mais ouais. Et mais ça, et la petite, et Zerman, il a des petits motifs sur sa voiture et tout sur sa petite smart là. Y a plus d'essence. Ah là bah là, y a plus d'essence. Il lui faut de l'essence. Regardez, y a un loup, y a un loup. Eh. Pas mal, hein.